جديدة من برنامج كوم بلادي. نقربكم خلال حلقة اليوم من مجموعة من الكفاءات المغربية بديار المهجر، مغاربة يعملون في صمت لكسب لقمة العيش في ميادين مختلفة، نماذج من أطر نجحت في اختصاصات جد دقيقة، فعاليات هاجسها الوحيد تمثيل بلدها الأصلي أحسن تمثيل. إليكم فقرة حلقة اليوم من برنامجكم بلادي. ننطلق من فرنسا مع بوشعيب حمادي، إعلامي مغربي وجه كل أبحاثه حول معضلة حوادث السير وما ينتج عنها من مصائب وكوارث تذهب بأرواح الأبرياء. استطاع اختراع تقنية لتقنين السير في الملتقيات الطرقية، اختراع ساهم بشكل فعال في الحد من حوادث السير بفرنسا، اختراع تم بفضله تقنين السير في مجموعة من ملتقيات الطرق بفرنسا وبلجيكا. تتعدد الاختصاصات التي لمع فيها المغاربة المقيمون بالخارج، من أبرزها مجال البحث العلمي والاختراع، مجال استطاع أن يحقق فيه عدد من المهاجرين نجاحا حقيقيا وفي ميادين مختلفة. تنظيم الحركة على الطرق بوسائل تقنية هو الميدان الذي استهوى بوشعيب حمادي كمعلوماتي مختص في الصورة وطرق تحليلها. بوشعيب حمادي لم يكتفي بهذا الاختصاص، بل أراد أن يذهب بعيدا في الاستخدامات المتعددة التي تمنحها الصورة، فاختار توظيف الوسائل المعلوماتية في مجال حيوي وهو مجال الطرق. نستعيد مع هذا المخترع الطموح مشوار الدراسة والبحث منذ بداية التحاقه بفرنسا. جيت لفرنسا في 75 من بعد ما شديت البكالوريا ديالي، بكالوريا سونس ماتا، دونك جيت القرا في ديجون. ابري بون جي اون ايفولوسيون دون ان دومين دو لانفورماتيك. Et après, j'avais fait une orientation qui est liée à l'analyse d'images et le traitement d'images, où j'ai obtenu une thèse dans ce cadre-là, à Saint-Étienne, auprès de l'Université de Saint-Étienne et l'École des mines de Saint-Étienne. Donc c'est dans ce domaine-là où j'ai acquis cette connaissance qui est liée à l'analyse d'images, la reconnaissance de formes, et aussi la problématique qui est liée au trafic routier. تنظيم الحركة على الطرق أصبح معضلة حقيقية عبر العالم بالنظر للعدد المتزايد للسيارات ومحدودية البنية التحتية. رفع هذا التحدي بالنسبة لبوشعيب حمادي انطلق مبكرا من خلال التخصص الذي اختاره بالرغم من صعوبته. C'est une spécialisation qui est totalement désirée dans la mesure où lorsque j'avais obtenu à un moment donné ma maîtrise d'informatique, j'étais allé travailler, puis en travaillant, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, il est nécessaire de faire quelque chose d'assez particulier pour ne pas rester que dans un pôle informatique qui est classique, dont l'évolution n'était pas si sûre relative au travail. Et ici, ce qui m'intéressait, c'est tout le domaine de la vidéodétection. C'était à l'époque, c'était les scanners au niveau biomédical, c'était l'image de la télédétection et autres. Et par ce biais-là, j'avais sollicité plusieurs universités, dont celle de Saint-Étienne, où j'étais accepté, ma candidature était acceptée, et j'avais fait cette spécialisation. Et il est vrai, ce que je fais aussi, c'est une spécialisation que j'ai créée moi-même. Le domaine de trafic est assez particulier et pour lequel il n'y a pas de formation particulière que d'être sur le terrain. Donc ça aussi, c'est une seconde spécialité qui est le terrain qui est lié au trafic routier. ولأن تنظيم السير أمر ميداني أكثر منه نظري، فإن بوشعيب حمادي صحح المعادلة التي كانت تنظر إلى هذا المفهوم حسب عدد السيارات، وعوض ذلك بأهمية تدبير الفضاء المتوفر على الطريق. هذا المفهوم الجديد هو المتضمن في اختراعه الدولي. Le brevet, c'est un brevet international qui est déposé en Europe, aux États-Unis et autres. Donc, protège dans le domaine de la gestion de trafic par caméra vidéo. En fait, en effet, avec une caméra, on va pouvoir analyser le trafic, identifier le trafic par des systèmes d'analyse d'image, identifier les voitures, les piétons, les deux roues ou autres, et gérer intelligemment la circulation par ce biais-là.
Donc le brevet aussi, il est basé sur une notion de gestion de l'espace de circulation. Donc c'est aussi c'est une théorie que j'apporte, qui est nouvelle, parce que le jour d'aujourd'hui, toute la théorie de trafic est basée sur le comptage de véhicules, et alors que la théorie la plus proche de la réalité étant l'espace de circulation. Parce que lorsqu'on met quelqu'un à 5 mètres de haut, il gère avec ses yeux la circulation par rapport à cet espace. Et il ne compte pas le trafic. Donc cette fois-ci, avec l'analyse d'image, on vient greffer cette philosophie qui est humaine, qui est naturelle, pour pouvoir l'automatiser et pour pouvoir la rendre applicable dans le domaine de trafic. الشركة التي يديرها بوشعيب حمادي والمختصة في تنظيم ملتقيات الطرق ومراقبتها يشمل مجالها النقل الحضري والطرق السيارة والقنوات النهرية والموانئ وكذا مواقف السيارات ولقد قدمت خدماتها بمعظم أرجاء فرنسا وببلجيكا. Sur le continent européen, j'ai déjà une centaine d'installations, donc une centaine d'installations pour en France et en Belgique, donc en grande partie en France. Donc pour pouvoir gérer les feux tricolores pour la régulation des feux, pour des autoroutes au niveau des péages, pour savoir lorsqu'il y a des bouchons autres et gérer les ouvertures des voies d'autoroute en fonction du volume de trafic, sur des endroits pour pouvoir gérer des places de parking, et il y a dans des endroits où on va gérer les compter le nombre de bateaux qui passent sur l'eau pour pouvoir avoir une statistique à cet effet. Donc, et le jour d'aujourd'hui, nous avons aussi des applications pour le franchissement de feux rouges, donc pour pouvoir savoir qui a franchi le feu rouge ou autre, qui n'a pas respecté telle ou telle chose en matière de régulation de trafic et en matière de circulation. تنظيم حركة السير بالمفهوم الحديث لاختراع بوشعيب حمادي يعتمد أساساً على علامات ضوئية ذكية تتعامل مع المرور حسب الضغط الذي تشهده مفترقات الطرق. Le matériel d'HIS, il est ici. Donc ici, c'est notre système de reconnaissance de forme et d'analyse de trafic et de développement de stratégie qui gère les feux. Donc vous voyez, avec une petite boîte ici, c'est une boîte électronique où il y a toutes les composantes qui sont dedans pour pouvoir agir sur le feu. Un autre équipement qui va permettre de donner des ordres au système existant. On a cette petite caméra. Donc vous voyez sa taille, donc c'est une caméra intelligente dans laquelle il y a toute l'électronique d'analyse, donc c'est l'équivalence d'un ordinateur PC, donc où on a toute la connectique possible pour pouvoir communiquer avec l'extérieur ou autre. Et cette caméra, elle est utilisée pour pouvoir identifier les franchissements des feux rouges et mémoriser des images relatives au franchissement. Donc c'est un équipement qui est en haut d'un poteau, il n'y a pas d'électronique en bas, et on peut venir chercher ou communiquer avec le système que par une liaison Ethernet à cet effet. Donc on peut à distance savoir ce qui se passe sur un carrefour à cet effet. Et ici on travaille sur des systèmes miniatures de cette taille. Donc ici c'est une caméra dans laquelle bon, on va mettre prochainement aussi une intelligence à cet effet. Donc à travers ça, c'est tout le domaine de la vidéosurveillance intelligente pour la gestion de trafic, pour la circulation et pour le domaine de sécurité. Donc ici, les marques de reconnaissance qu'on a eues dans le domaine de trafic. Donc ici, c'est une reconnaissance internationale faite au niveau européen, donc relatif à notre innovation. اختراع بوشعيب حمادي لقي استحسانا وقبولا من طرف جميع الهيئات المختصة في العالم. اختراع تم استعماله بمعظم ملتقيات الطرق بضواحي باريس والتي تشهد يوميا مرور عشرات الآلاف من السيارات والحافلات. ولقد ساهم الاختراع بشكل كبير في تدبير أفضل لحركة السير. Dans ce carrefour, il y a trois capteurs. Donc, dont un qui est ici. Et deux autres qui sont là-bas, alors, qui gèrent toute la circulation, à savoir la priorité des bus, et à savoir aussi la gestion du centre de carrefour, qui est une gestion assez complexe, parce qu'il y a des blocages au milieu du carrefour. Alors,
Et ici, il va faire un partage de temps et un partage d'espace équitable pour que toute la circulation se fluidifie d'une façon automatique. Alors, autrefois, dans ce lieu-là, il y avait des bouchons qui allaient dans des communes à côté et le centre de Carrefour était bloqué dû à... parce que les systèmes avant ne prenaient pas en compte le centre du Carrefour lui-même. Donc après, les problèmes sont résolus. Il y a prise en compte des piétons, la prise en compte des bus, la prise en compte des appels avec les coordinations avec les autres carrefours. Donc ici, on voit un bus qui arrive et qui est en arrêt. Le système va lui donner la priorité. Lorsque le bus s'avancera un peu plus proche du feu, les feux vont le prendre en compte pour lui donner la priorité. Ce système, en effet, contribue à la sécurité routière sur plusieurs points. La première des choses, c'est-à-dire en matière de régulation de trafic, le fait de prendre en compte tous les mouvements, les piétons, les voitures ou autres, c'est pour pouvoir mieux gérer cet espace, cet effet, et mieux faire ce partage. Donc ça, c'est en termes de premier point. Donc les gens n'attendront pas pour rien et chacun aura le temps qu'il faut pour pouvoir traverser. Secondo, c'est en comptabilisant, en ayant créé des statistiques relatives au trafic, relatives au comportement, on va pouvoir faire des prévisions qui peuvent avoir une information relative à l'infrastructure ou autre. Et en troisième point, en termes de surveillance, c'est-à-dire c'est que le système aussi va pouvoir prendre des anomalies, des franchissements de feu, donc il va les prendre en flagrant délit. Et à cet effet, bon, ça va permettre aux autorités telles de pouvoir agir, pour pouvoir, en termes d'informations, en termes de sanctions ou autres, pour pouvoir mieux gérer et améliorer la sécurité routière. Ça, c'est sur un point. Et en termes de pollution, c'est un atout formidable dans la mesure où les gens n'attendront pas pour rien. Donc tout ceci réduit aussi le caractère de pollution dans les carrefours. Le concept ici proposé, c'est un concept qui va pouvoir améliorer fortement cette circulation pour pouvoir augmenter la sécurité routière. Parce que avec cette création d'harmonie et de donc ça c'est un élément majeur et en secondo dans la détection des infractions pour pouvoir aussi imposer cette sécurité routière à cet effet. Il est vrai que le jour d'aujourd'hui le Maroc comme un ensemble de pays en voie de développement connaissent une problématique majeure qui est liée à l'insécurité routière. Parce qu'il y a on demande une mobilité assez importante au niveau géographique pour les gens. Donc ça, c'est la voiture le permet. Mais les infrastructures ne peuvent pas aller aussi vite à cet effet. Et nos systèmes de gestion des feux, c'est des systèmes qui sont des années 50 et qui ne peuvent pas évoluer aussi vite parce que bon, il y a une question de moyens, il y a une question d'infrastructure ou autre. Donc avec le concept comme celui-là, le concept va chercher à partager cet espace indépendamment de sa qualité, s'il est réduit, s'il s'élargit ou autre, et partager cet espace pour pouvoir mieux faire passer les véhicules d'une façon assez intelligente. Et lorsque je dis qu'il y a un partage équitable, ça a un effet aussi en termes de pollution, une réduction de pollution. Ça fait aussi un effet sur les infractions au niveau des feux. À titre d'exemple, dans une ville en Alsace, avant l'installation de notre concept, il y avait 200 franchissements de feux rouges à l'heure de pointe. Et c'était tout le monde qui pouvait franchir, ce n'était pas un jeune ou autre, des personnes âgées, dames, hommes ou autres, à cet effet. Lorsqu'on a mis notre système en marche, ceci est tombé à 10 franchissements à l'heure de pointe. Alors on a eu une amélioration de 95%. On ne verbalise pas les gens, mais c'est parce que les carrefours sont tellement bien régulés que les gens n'ont pas la tentation de franchir le feu, à cet effet. En termes de pollution sur ces carrefours-là, on a réduit la pollution due à l'attente, une pollution qui est l'équivalence de 10 camions qui fonctionnent jour et nuit, donc la pollution d'échappement de 10 camions.
اختراع بوشعيب حمادي حقق إذن نتائج جيدة على عدة مستويات، وأبان عن نجاعة في تدبير حركة السير وضمان احترام قانوني المرور. نتائج يمكن تحقيقها أيضا بالمغرب، وملائمة الاختراع لما تتوفر عليه بلادنا من طرق وبنية تحتية. Au Maroc, nous voulons faire en profiter de ce savoir-faire à deux niveaux, donc aussi bien au niveau sécurité et amélioration de la circulation à cet effet, et aussi au niveau de recherche et développement par ce biais-là. Donc en matière de sécurité, on rappelle que le Maroc, on a une problématique d'insécurité routière qui est énorme, c'est-à-dire le Maroc fait à peu près entre 20 000 et 25 000 victimes de circulation par an. Donc c'est énorme pour juste 2 millions de véhicules en circulation. Alors, et tout ceci, bien sûr, c'est lié à la qualité des infrastructures, et nos solutions permettent d'améliorer la circulation au mieux pour pouvoir réduire l'attente, améliorer la fluidité du trafic et réduire les franchissements des feux. ملتقيات الطرق التي تبنت اختراع بوشعيب حمادي تعرف حركة سير منظمة رغم كثرة الحافلات والسيارات العابرة لها، فالكل يستفيد من مزايا هذا الاختراع الذي يوفر الوقت ويمنح للجميع فرصة الاستفادة من الفضاء المتاح. نبقى دائما بوسط فرنسا، وهذه المرة بالضاحية الجنوبية لمدينة ليون.